Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Mes bien-aimés, prions ensemble pour détruire les autels sataniques et maléfiques dans notre vie. Tu peux répéter cette prière avec foi et force. Je brise au nom de Jésus-Christ tout autel personnel, familial, ancestral, étranger qui influence ma vie, la vie de mes enfants, de mon époux, au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse tout autel bâti à mon nom, au nom de mes enfants, au nom de mon époux, de mon épouse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule toutes les paroles d'incantation, de malédiction qui ont été proclamées sur ces autels, au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule la consécration de mon âme, de mon esprit, de mon corps sur ces différents autels, au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule mon nom, le nom de mes enfants, le nom de mon mari, de ma femme, sur ces différents autels, au nom puissant de Jésus-Christ. Je retire de ces autels toutes mes bénédictions, tout mon potentiel, ma promotion, mon succès, mon mariage, mon foyer, mes finances, mes enfants, ma santé, toute ma vie sur terre, ma gloire, toutes choses me représentant sur cet autel, je retire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je retire ma percée, ma prospérité de tout autel satanique, au nom puissant de Jésus-Christ. Je retire ma gloire de tout autel satanique, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je retire ma prospérité de tout piège satanique, au nom puissant de Jésus-Christ. Je retire toute source de me représentant sur un autel satanique, dans n'importe quel piège satanique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je retire les organes de mon corps ou une partie de mon corps qui ne fonctionne pas comme cela devrait, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le retire de tout autel maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule le sacrifice fait sur cet autel qui combat ma vie, qui combat mon mariage par le sang de Jésus-Christ. Et je détruis toutes les dots spirituels qui ont été faits avec ou sans mon accord, consciemment ou inconsciemment, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel satanique dirigé contre moi soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que toute malédiction sur tout autel façonné contre moi soit détruit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus, envoie ton feu pour détruire tout autel satanique façonné contre moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Envoie ton feu pour détruire tout autel satanique façonné contre ma femme, contre mes enfants, contre mes études, contre mon travail, contre ma société, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui me nuit, qui veut pour me bloquer, qui pour riposter contre ces prières que je suis en train de faire, que ça s'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je retire ma possession volée par les démons, par les pièges sataniques, dans le nom de Jésus. Je possède ma possession volée par les agents sataniques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, selon Apocalypse chapitre 5, que tu as pris le sceau du livre pour le briser, je te prie, ô Seigneur Jésus-Christ,
tu es fille trouvée digne de le faire. Brise toute alliance négative qui pèse sur ma vie, sur la vie de ma femme, sur la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, il a effacé les ordonnances nous condamnant et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en l'amenant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant tel par la croix. Nous dit la parole de Dieu. Alors prie avec moi et déclare cela. Satan, ton acte rédigé contre nous, contre ma famille, contre ma femme, contre mes enfants, à cause des alliances négatives, et nous et nos parents ont été contactés, ont été cloués à la croix. Seigneur Jésus-Christ nous est racheté. Ont été cloués à la croix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renouvelle mon alliance et j'ai le sel avec le Seigneur Jésus-Christ par son sang, au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Colossiens chapitre 1, versets 19 à 20, qui nous dit, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien qu'il a sur la terre et ce qui est dans les cieux, en lui faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Je déclare que mon mariage, mes finances, ma vie spirituelle, mon ministère, ma santé, mes entreprises soient réconciliés avec le Père dans sa volonté, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis parce que tu exauces cette prière. Je te loue parce que les chaînes de ma vie, les autels qui m'empêchaient d'accéder à mon miracle, qui m'empêchaient d'accéder à ma destinée, est brisé et détruit depuis la fondation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que les fondations des autels sataniques dans ma famille, dans tombe maintenant, les autels sataniques qui m'empêchait d'expérimenter la main de l'Éternel dans ma vie, qui me retournait dans les fermes commencements, qui m'empêchait de vivre la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ces autels de ma famille est brisé. Toute personne qui était gardien d'autels maléfiques, toute personne qui était comme un Goliath dans ma famille, je déclare maintenant que sa puissance soit exterminée, que sa puissance soit détruite par le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tout hôtel de ces Goliaths, de ces gardiens, de ces hôtels sataniques dirigés contre moi. Je brise et je les détruis tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux acclamer le Seigneur et proclamer sa victoire, parce que plus rien ne résistera devant toi, car l'Éternel brise tout autel satanique qui s'élève devant toi. Tu es victorieux, tu es plus que vainqueur. Répète cette prière, répète cela avec foi. Prends le temps de jeûne, prends le temps de prière, prie sérieusement et tu briseras les autels satanique et l'alliance de Dieu criera sur ta vie, criera sur ton mari, criera sur tes enfants, criera dans tout domaine et aspect de tout ce que tu vas entreprendre. Parce que le Dieu que nous louons est un Dieu vivant, un Dieu que quand il parle, l'accomplissement est plus que l'évidence. Le Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le prince de la paix, la pierre triangulaire. Amen. Alléluia. Amen.